Eh bien salut les amis, c'est Quentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc ce sera une petite vidéo, mais donc du coup j'aimerais vous parler de YouTube et les pourcentages. C'est une longue histoire. Donc comme je l'ai dit, ce sera une petite vidéo parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de choses à dire et c'est quand même pas tout à fait leur faute parce qu'il faut prendre. Donc du coup on va aller dans l'onglet analytique. Donc là je parle surtout pour ceux qui ont une chaîne et ceux qui l'auraient remarqué, quand on va dans l'onglet analytique de notre chaîne, il faut toujours un petit temps pour que ça charge toutes les analytiques. Du coup, voilà. Donc, on va descendre jusqu'en bas de cette page. On arrive au top des régions. Donc, du coup, on va juste prendre une calculatrice pour être sûr de ne pas faire de faute. Donc, la charge, elle apparaît. Là, on prend la calculatrice. Voilà. Parce que moi, quand j'additionne tous les pourcentages des top des régions, je ne tombe jamais sur 100%. Donc, du coup, c'est pour quand même en parler. Donc, par exemple, là, on peut voir que on a fait que la première région, c'est 90%. Ensuite, la prochaine région, c'est 5,9%. Ensuite, on passe à 3. 2%, donc on est déjà à 99,1. Ensuite, on rajoute encore 0,8%. On est déjà à 99,9 et il reste encore 0,2%. Donc on tombe à 101, pardon, à 100,1%. Ce qui n'est normalement pas possible. Donc il y a un problème quelque part. Mais bon, c'est souvent le. Pardon, j'ai changé d'anglais. D'onglet, pardon. Le pire, c'est quand on passe aux analytiques depuis toujours. Parce que là, on était sur le dernier mois, les derniers 28 jours. Mais si on passe ces analytiques en vue d'ensemble depuis la création de la chaîne, eh ben, on trouve des fois des résultats encore plus bizarres. Donc, il faut toujours le temps que ça s'actualise. Je ne veux pas l'antivirus. Voilà, donc ça a enfin chargé. Donc du coup, on retourne encore une fois à l'onglet top des régions. Donc les régions ne sont pas les mêmes, sans doute un petit peu quand même. Donc on reprend la calculatrice. Faut juste que je trouve la touche pour effacer. C'est jamais les mêmes. Voilà. C'est jamais placé au même endroit. Donc du coup, la première région, voici à 89. Ensuite, on rajoute 7, puis 2,1. Voilà. Ensuite, on rajoute encore 0,4 et on rajoute enfin 0,3% et on est seulement sur du 98,8% alors que normalement on est censé tomber sur 100%. C'est un petit peu pareil pour les sources de trafic. Bon, on passe à 30 plus 20 plus 16 plus 33, on tombe seulement sur 99%. Donc du coup, je vais pas non plus faire ça avec toutes les analytiques. Vous avez compris un petit peu le principe. Ce sera pareil pour tous les pourcentages. On tombera jamais exactement sur 100%. Bon, sinon, je profite pour vous remercier de nous regarder. Vous avez regardé l'équivalent de chaîne 4 jours et 5 heures de vidéo qui est juste énorme. Vous avez été plus de 4 000, enfin, vous avez généré plus de 4030 vues. Ça nous fait énormément plaisir. Et bon, vous regardez environ 1 minute 30 de nos vidéos. Ça peut être amélioré, mais on vous remercie déjà beaucoup. Ensuite, vous avez été beaucoup à aimer avec 427 j'aime en tout. Ça nous fait super plaisir. Bon, après, il y a aussi eu 32 dislikes. Mais bon, vous avez le droit d'exprimer votre point de vue. Ensuite, il y a eu aussi beaucoup de commentaires. On vous en remercie. Quelques partages. Et vous suivez aussi également les vidéos des playlists. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était courte. Et j'espère que vous avez compris le principe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. C'était Quentin. Je vous dis à plus, les amis.